Salut! La saga de jeux vidéo Animal Crossing est vraiment une de mes préférées. Elle est dans mon top 3. Elle est 3ème. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un peu des trucs what the fuck dans Animal... Non, je déconne évidemment qu'un jeu est différent de la vie réelle. D'ailleurs, dans cette vidéo, je m'engage à ne faire que 3 fois la punchline. Ah non, mais what the fuck, ils ont pris de la drogue, les développeurs. Allez, c'est parti. Dans Animal Crossing, ta poche peut contenir un piano, un sarcophage antique, des pots de fleurs, des meubles, des radis, oui des radis, ça t'impressionne ? Des parapluies et des requins baleines. Ah non mais ils ont pris de la drogue les développeurs ! Ça commence bien. Dans Animal Crossing, le petit capitaliste du coin, Tom Nook, va te faire durant tout le long de ton aventure. Déjà rien que pour t'installer en ville, il te demandera 10 000 clochettes pour une tente et 70 000 clochettes pour une tente avec des murs. Et de fil en aiguille, pour agrandir ta maison de 2 mètres carrés, il te faudra 500 000 clochettes. Est-ce que Tom Nook, tu te rends compte à quel point pour améliorer sa maison au maximum, faut douiller? Non, car rien que 100 000 clochettes, c'est déjà des heures de farm de scarabée. La maison agrandie au maximum contient 6 pièces. Chaque pièce peut être agrandie 5 fois, et chaque agrandissement te coûte 100 000 clochettes de plus que le précédent. C'est énorme! Oui, en plus d'exploiter ses enfants pour faire du fric. Ah quoi, ça je vous l'avais pas dit? Oui, car dans Animal Crossing, les deux neveux de Tom Nook, Mélie et Mélo, oui, il les fait travailler dans une cabane en bois de 9h du matin à 20h sans arrêté municipal. Ils vendent des cannes à pêche et des biscuits. Dans Animal Crossing, après une averse dans ta ville, si tu cherches un peu sous la terre, devine ce que tu peux trouver. Non, sérieusement, devine. Des statues représentant des enfants morts. En joie. Oui, c'est pour le petit côté glauque. Dans Animal Crossing, si tu cherches un peu enfoui à 10 cm du sol, tu pourras trouver des petits fossiles de Triceratops. Tous les jours! Une ville pareille ayant un tel intérêt archéologique. Mec, revends tes fossiles! Là, t'as facile de quoi t'acheter 10 cm carrés de terrain chez Tom Nook! C'est énorme! Allez, me remercie pas pour le tuyau. On va les vendre maintenant. Tu les donnes à un hibou? Dans Animal Crossing, Sarah, c'est une habitante qui passe de temps en temps dans ta ville et qui vient d'une contrée lointaine du Moyen-Orient. Et qui, à de rares occasions, ramène des objets de son pays. Et du coup, tu peux te dire, bah, elle amène du truc rare, comme du couscous. Désolé, c'était très cliché. Et non, elle ramène du papier peint. Mais attention, du papier peint de luxe, vu qu'il coûte 3000 clochettes. Quand même. En même temps, tu vas me dire 3000 clochettes dans un jeu où l'argent pousse sur les arbres. Ils ont vraiment pris de la drogue, les développeurs. It was at this moment, Loano. He fucked up. Dans Animal Crossing, Astrid, c'est une voyante qui de temps en temps vient dans ta ville et elle habite dans une... Désolé. Et en fait, tout le truc, c'est une putain d'opération marketing avec les vendeuses de vêtements. A noter qu'il est amusant de constater que les sœurs doigts de fée n'ont pas de doigts. Car devinez ce qu'elles voient pour votre bonheur. Je vois les ténèbres, il faut que tu t'habilles avec un ensemble Starwell, gilet vert, manche longue que tu trouveras aujourd'hui chez les sœurs doigts de fée. Dans Animal Crossing, parfois, un dénommé Runar va s'installer dans ta ville à la manière d'Astrid et lui aussi, c'est un... Déjà, rien qu'avec le nom qu'il porte, tu sens la douille venir. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu t'appelais Ken et que t'étais cannibale. Personnellement, j'en connais aucun. Ah si. Alors lui, il vend des œuvres d'art, mais t'emballe pas, 80% c'est des fakes. Mais, ça veut quand même dire que 20% c'est des vrais. Donc si t'en achètes 5 à 4000 clochettes l'unité, il y a clairement moyen de rentabiliser, pas vrai? Dans Animal Crossing, il existe un personnage du nom de Rezeti. Rezeti, comme tu veux. Ça s'écrit comme ça. Et ce personnage, c'est juste le personnage le plus relou de toute l'histoire du jeu vidéo. Mais pourquoi vas-tu me dire? C'est vrai, il a l'air mignon et gentil sous ses petits airs de taupe fragile. Eh bien, ce monsieur Rezeti, si par malheur tu éteins ta DS sans avoir fait le processus de sauvegarde, même si tu as sélectionné sauvegarder et continuer et que t'as éteint juste après,
il va venir chez toi lors de ta prochaine connexion. Et il va t'engueuler. Mais dégage. Oh, mais laisse-moi tranquille, là. Dans Animal Crossing, dans une partie éloignée de ton village, tu pourras trouver un espèce d'hippie aux cheveux longs vivant dans une caravane. Stop. Dans Animal Crossing, si tu n'as jamais parlé à un habitant de la ville, tu ne peux pas l'inviter chez toi. C'est con à dire, mais ça veut dire que même si tu lui as parlé que juste une fois, tu peux lui demander de faire une sortie avec toi comme si vous aviez toujours été des bêtes de potes. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite mise en scène malaisante digne d'un podcast sur les différents types de profs? Salut, t'es nouveau? Oui? 12 seconds later. Hey, Melly! Mello, on s'en fout! Est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre chez Robusto avec moi? Oh, et puis oui, Robusto, c'est une chouette qui est le patron d'un café. Jusque-là, rien d'anormal, on est dans Animal Crossing, sale rageux. Et même si t'as servi du café que tout le monde a adoré pendant toute la journée, devine en quoi il te paye. En graines de café. Pourquoi pas. Allô, SOS enfants maltraités, ouais, ce serait pour signaler deux exploiteurs d'enfants. Oui, Tom Nook, N-O-O-K, et Robusto. La chouette et le raton laveur. Non, ce n'est pas un canule. Dans Animal Crossing, si t'as vraiment besoin de te faire de la clochette money, le bon plan, c'est revente et retouche. En vrai, ça devrait juste s'appeler revente, parce que pour retoucher ses meubles, ça coûte très cher. Puis personne ne le fait de toute façon. Là-bas, si t'as un truc à vendre, peu importe ce que c'est, ils te le rachètent. Enfin, presque tout. Mais bon. Et vraiment, tu peux tout leur vendre. Même des requins. Ils vont les recycler. Dans Animal Crossing, parfois, le samedi... Dans Animal Crossing, parfois, le samedi, il y a des concours de pêche. Oui, des canards qui pêchent des poissons. On est dans Animal Crossing, ok? Ça dure toute la journée. Comme toi, t'as pas que ça à foutre d'aller pêcher des vivanos. Bah du coup, tu vas faire ton travail de maire, qui est d'actionner des arrêtés municipaux et construire des bâtiments. Bah non, tu peux pas, car ta gentille secrétaire t'oblige à aller t'amuser. Je te rappelle que mon seul travail en tant que maire de Swagville, c'est d'aller farmer des scarabées pour les revendre afin de rembourser Tom Nook. Vraiment. Ils ont pris de la drogue, les développeurs. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai avant tout parlé d'Animal Crossing New Leaf et pas trop des autres opus, car pour moi c'est vraiment le meilleur et j'ai au moins 1500 heures de jeu dessus. Ouais, je sais, 1500 heures de jeu à mon actif, ça fait quand même beaucoup, mais le jeu est sorti en 2013. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, merci d'être venu chez nous. Reviens quand tu veux.